Madame, Monsieur, bonsoir. Cette édition spéciale du 19-20, puisque le nouveau gouvernement vient tout juste d'être annoncé, le secrétaire général adjoint de l'Élysée vient de donner la liste des ministres. Il s'agit d'une équipe nettement resserrée. On écoute cette annonce. Bonjour. Mesdames et messieurs, conformément à l'article 8 de la Constitution, le président de la République a nommé sur la proposition du Premier ministre Monsieur Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. Madame Michèle Alliot-Marty, ministre de la Défense. Monsieur Philippe Douste-Blazy, ministre des Affaires étrangères. Monsieur Jean-Louis Borloo, ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement. Monsieur Thierry Breton, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Monsieur Gilles de Robien, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Dominique Perben, ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer. Monsieur Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités. Monsieur Dominique Bussereau, ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Monsieur Christian Jacob, ministre de la Fonction publique. Monsieur Renaud Donne-Dieu de Vabre, ministre de la Culture et de la Communication. Madame Nelly Olin, ministre de l'Écologie et du Développement durable. Monsieur François Baroin, ministre de l'Outre-mer. Monsieur Renaud Dutreil, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et des Professions libérales. Monsieur Jean-François Lamour, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. Par ailleurs, sont nommés ministres délégués Monsieur Henri Cuc, ministre délégué aux relations avec le Parlement. Monsieur Azouz Begag, ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances. Monsieur Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du gouvernement. Monsieur Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. Madame Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Madame Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales. Madame Catherine Colonna, ministre délégué aux Affaires européennes. Monsieur François Goulard, ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche. Monsieur Léon Bertrand, ministre délégué au Tourisme. Monsieur Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la Famille. Monsieur François Loss, ministre délégué à l'Industrie. Madame Christine Lagarde, ministre délégué au commerce extérieur. Monsieur Amlaoui Mekachera, ministre délégué aux anciens combattants. Monsieur Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Le prochain Conseil des ministres réunira demain, vendredi 3 juin 2005, à 16 h. Je vous remercie.